Salut tout le monde, c'est Jolad, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai vu que vous avez bien aimé la dernière vidéo. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se refaire une petite game, bien tranquillement. La dernière fois, j'ai oublié de vous expliquer quelques trucs, c'est vrai. Donc j'ai vu que vous m'avez laissé pas mal de conseils dans les vidéos. Il y avait des conseils que je connaissais déjà, que j'avais tout simplement oublié de vous expliquer. Et il y avait certains conseils que je connaissais pas. Donc je vais vous expliquer tout ça en jouant et on est parti. Ok, let's go, la partie se lance. Donc c'est toujours aussi long pour trouver une partie des fois. Allez hop. Let's go, oh putain gars. Ce délire. C'est qu'elle est vachement sensible ma manette. Ah oui, je sais pourquoi elle est sensible comme ça. Oui, c'est parce qu'hier j'ai voulu faire essayer le jeu à mon frangin. Et puis vu qu'il voulait jouer à la manette, j'ai branché la manette dessus. Et vu que la manette était un peu moins sensible, j'ai foutu le truc à fond. On va régler ça. Oui, voilà, là c'est pas mal. Là c'est bon, c'est parfait même. Ok, donc bien sûr on a tout de début. J'ai toujours mon petit tracker. Ça c'est plutôt cool, celui-là je le change pas. Par contre j'ai pas mis mon sac à dos. Vous voyez qu'en bas à droite, on a 1, 2, 3, 4, 5 cases. Donc, je sais pas si vous allez voir la cinquième, parce qu'il y a sûrement un petit logo qui va cacher. Mais je vous le dis, il y a 5 cases. Et sur les 5 cases, il y en a 2 de bloqués. Tracker. Applicable. On va continuer par là. Donc, oui, la dernière fois, notamment les conseils que vous m'avez donnés, c'est sur un fusil. J'ai ramassé un fusil la dernière fois dans un placard. Et j'avais dit que c'était un fusil tranquillisant. Mais moi c'est ce qu'on m'avait dit en live. Donc du coup j'ai tout bêtement répété ça. Et en fait il se trouve que c'est pas un fusil tranquillisant. C'est un fusil qui apparemment émettrait de la musique quand on tire sur un joueur. Alors je sais que ça fait clignoter le joueur, ça c'est sûr. Et ça émettrait de la musique. On va... Viens ici toi. Hop là, une petite branche. Ça fait bien plaisir dès le début. Je vais directement aller essayer d'aller dans un bâtiment. Tiens, on va essayer de partir par là. Donc la dernière fois on est arrivé en finale. Alors je sais pas si j'aurai cette chance cette fois-ci. Qu'est-ce que je fais? Je garde mes points. Je fais rien pour l'instant. Pas de couteau, quoique. Allez vas-y, allez. De toute façon, non, pas ça. Non, non. Allez hop, ça, ok. Putain, j'aurais bien fait un sac à dos dès le début mais... Oh, qu'est-ce qu'il y a? Il y a déjà un mort. Oh, il y a sûrement déjà un mort. Ok, d'accord. On va essayer d'aller dans un bâtiment. Si j'en trouve un quelque part par là. Ok, ça se bastonne, ça se bastonne. Ça se bastonne. Juste en face. Ok. On va essayer de se rapprocher, on va essayer de se rapprocher. Dans le bâtiment, regardez. Vous les voyez là-bas? Vas-y, t'inquiète, je vais les laisser s'amocher. Vous allez voir les gars, j'ai la technique. Je vais les laisser bien s'amocher tranquillement. Et j'irai niquer le vainqueur des deux quoi. Tu vois ce que je veux dire? Normal quoi. Regarde, je vais attendre. De toute façon, dès qu'il y a un mort, il va le dire le commentateur. Impeccable. C'est bon. Vous écoutez? Kill, kill, kill. Il y a un mort. Maintenant, on va aller niquer l'autre. Allez, viens mon gros. Oh bah oui, t'es déjà amoché toi. Ça fait bien plaisir ça. Allez, tiens. Tiens. Ah, voyez? Vous voyez c'est quoi la technique? J'appelle ça la technique du crevard moi. On laisse les mecs se bastonner entre eux. Et puis dès qu'ils sont bien amochés, on y va. Tout simplement. Tiens mon vieux, ça te fera les potes. Prends un coup de bâton, tiens. Prends un coup de bâton. Tiens, reprends-en dans les gueules. Et reprends-en un autre mon vieux. Tiens. Alors, oh tu te détends toi. Alors, viens, allez viens. Viens, on va aller en haut un petit peu tous les deux. Ça va faire bien plaisir. Viens ici, allez hop. Dégage. Tiens. Oh putain c'est pas vrai qu'il va mort. Tiens, prends ça dans les gueules mon gars. Allez viens, 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 viens. Vas-y, 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 viens. Viens ici. Allez, arrête de te protéger mon vieux. C'est l'état fiole qui se protège là. Prendront des coups dans la gueule un peu, ça va t'endurcir. Putain, il va me niquer les gars. Les gars, il va me niquer. Ce délire. Il va me... je me casse, je me casse. Il va me niquer. Je me casse. Ça y est, je latte le sang couille, reprend le dessus. Je me casse. Non, non, c'est mort les gars, il va me niquer. Oh putain, il va me niquer. Je rigolais, c'est bon, je rigolais là. Je m'en fous, regardez. Regardez, j'ai un PV qui remonte toutes les 5 secondes. J'ai un point de vie qui remonte toutes les 5 secondes. Lui peut-être qu'il l'a pas. Ah vas-y, suis-moi, vas-y, vas-y, t'inquiète, suis-moi, vas-y, suis-moi.
T'inquiète, moi je vais reprendre de l'énergie. Peut-être pas lui. Oh, yep. En attendant, on va faire le tour. Tiens. Allez, on va jouer tous les deux. Je vais retourner dans le bâtiment. Ça va être bien sympa. Regardez, pendant ce temps-là, tranquillement. 33 points de vie, 34, 35. Ça va remonter. Bien gentiment. Il est où? Tu peux pas me dire qu'il a lâché l'affaire? Merde, il se fait un bandage, le salaud. Merde, il s'est fait un bandage. Ah ouais, tu veux te faire un bandage? T'inquiète, moi aussi. Vas-y, vas-y. Il s'est fait un bandage. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Vas-y, vas-y, je me casse. Je me casse. Ah! Il est là! Je délire! Tiens, vas-y, 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 viens, 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 viens. Viens, vas-y, 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 viens. Viens, vas-y, tape. Tape, gros, tape. Eh, tape là, n'hésite pas, mon vieux. C'est ta fiole qui se protège, je te l'ai déjà dit, mon vieux. Tiens, prends des patates dans la gueule, mon vieux, ça va te faire du bien, ça. Tiens, prends-en une autre, là. Hein, elle était grosse, celle-là, en plus, hein. Et celle-là, elle est belle, hein. Tu veux une comme ça aussi, là? Alors. Hein? Oh, tu recules? Non, non, recule pas. Viens ici, tu vas t'en manger une dans la gueule, mon vieux. Tu vas t'endurcir un petit peu. Tiens, mange celle-là. Tiens, prends celle-là, mon vieux, ça te fera du bien. Tiens, alors? Je t'ai pété le nez un peu? Alors, ça fait du bien? Donne-moi ça. Oh putain, les gars, je me casse. Je me casse cette fois-ci, y'en a un autre qui arrive. Je m'en fous. Je l'ai niqué, les gars, je l'ai niqué. Vas-y, je vais aller dans le bâtiment. Je vais aller voir, ils ont peut-être pas tout fouillé. Cette bande de corneaux. Il a peut-être laissé des trousses de soins en haut. Je suis mort, les gars, y'a un mec, y'a un mec, y'a un mec. Merde, 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 putain, il est en bas, il est en bas. C'est quoi ça? Medikit! Tiens! Prends ça! Yes, GG! Hop, 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 hop! Viens voir tonton, toi! Viens voir tonton, mon vieux! T'inquiète, viens ici! Tu vas venir avec moi! On va bien s'éclater tous les deux! Hein? Oh, 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 tu te détends, oui? Alors, c'est fini? C'est fini cette comédie, mon vieux? Tu vas arrêter? Hein? C'est pas fini cette comédie. Allez, arrête de te défendre, mon vieux, là-haut. On n'a pas le temps de se défendre, là. Faut qu'on se tape sur la gueule, mon vieux. Hein? Alors, tiens. Prends ça dans la gueule, mon vieux. Tiens, prends ça. Putain, il va me défoncer, les gars. Je me barre, il va me défoncer. Il va me défoncer. Attends, il y a un truc là-dedans? Putain, il n'y a rien. Ce délire. Regardez, regardez, regardez. Tiens, je suis là, salopard. Je me casse. Les gars, il va me défoncer. Il va nous défoncer. On se casse. Il va. J'ai pas le temps. Ouh. Merde. Je me casse. Désolé, excusez-moi pour les oreilles. Des fois, c'est l'émotion. C'est la pression. Je me casse. Écoutez, on va faire comme l'autre. On va régénérer 2-3 points de vie. Regardez, regardez. Il est reparti dans le bâtiment. Ouais, t'es reparti. T'inquiète. J'arrive, mon vieux. J'arrive, bouge pas, t'inquiète. Il est parti chercher l'arc, ce salopard. T'inquiète, t'inquiète. Je vais faire un bandage et je reviens te chercher, mon vieux. Il y en a pas pour longtemps. Putain. J'ai pété qu'une branche ou quoi, là? Putain, lui, par contre, il est bien stuffé, hein. J'ai vu, il avait une clé à molette. Il avait un arc de compétition. Il s'est mis bien, l'enfoiré. Il s'est mis super bien. Il est là-bas. Il est là-bas, regardez. Vas-y, on se casse, on se casse. On se casse, il doit avoir l'arc de compétition, lui. Je me... Wow! Il a l'arc de compétition! Non, non, je me casse. Au passage, vous m'avez dit de changer mon airdrop. Mais moi, je l'aime bien, mon airdrop. Hein. C'est un arc de compétition aussi. Je me barre. Je me barre, je me barre. On va par là. T'inquiète, t'inquiète. De toute façon, il s'est pas visé. Je l'ai vu, sa première flèche. Oh, regardez. Elle m'a chatouillé les oreilles, celle-là. Elle m'a chatouillé les oreilles. T'inquiète, tranquille. Ça passe. Crème. Vas-y, vas-y, regardez. Je vais l'esquiver. On va le semer. Tranquillement. De toute façon, il s'est pas visé. Ça se voit. Ça se voit direct, sinon il m'aurait touché dès la première flèche.
À mon avis, il va pas bien, quoi. Putain, par contre, ouais, je vois noir et blanc, là. C'est normal que je vois noir et blanc, c'est parce que j'ai plus de stamina, en fait. Ce qu'on va faire, c'est que je vais voir s'il me suit encore. Je crois qu'il a lâché l'affaire. Du moins, j'espère. Allez, vas-y, 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 vas-y. Vas-y. Yes, 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 yes. Yes. Ok, ouais, je suis quasiment full life. Il est où? Ok, il est là-bas. Je m'en fous. J'y retourne. Alors. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'y retourne, je suis comme ça. Attendez. J'y retourne, j'y retourne. Je vais pas faire le mariole non plus, tiens, regarde-le. Hein? C'est toi en plus qui m'a attaqué tout à l'heure, salopard. Hein? Avec ton arc de compétition, là. Alors, t'inquiète. Moi, j'ai une petite hache de merde. Mais je porte mes couilles, mon vieux. Allez, viens. Allez. Viens là, mon vieux. T'inquiète pas, on va se mettre bien tous les deux. Arrête de te protéger, mon vieux, ça sert à rien, putain. Ils sont tout le temps en train de se protéger dans ce jeu-là. Regardez, regardez-le comment il fuit. Regardez-le ce fuyard. Regardez ce fuyard. Ah, t'inquiète, tu vas venir avec moi, mon vieux. Tu fuis? Alors, regardez, il a un arc de compétition. Non. Eh, oh, hein. On n'est pas là pour faire des simagrées. Tiens, regardez, c'est bon, je le laisse, c'est bon, il va se faire niquer. Je me casse, c'est bon, regardez, la technique du crevard reprend le dessus. La technique du crevard, regardez, on va les laisser s'entretuer. Et on va y retourner bien gentiment quand il y aura un des deux qui se sera fait bien amocher. Bien gentiment, voilà. Alors attention, je vous dis tout de suite, le crevard a toujours un tracker sur lui. Oh putain, oh le crevard il se casse là mon vieux. Toujours, si vous voulez faire la technique du crevard, il vous faut obligatoirement un tracker. Sinon ça marche pas. Oh putain le salaud. Il a balancé une bonbonne de gaz. Le crevard ne sort jamais sans son tracker. Moi je vous le dis direct hein. Voilà, regardez. Regardez, on va faire le crevard. On va le suivre. Il va forcément tomber sur un gars au bout d'un moment. Il va se faire taper. Oh putain, attends. Oh, c'est une caisse gratos ça. C'est une caisse gratos. Oh, ça c'est joli ça. Une caisse gratos. C'est bon ça. Oh, c'est quoi ça? Oh, oh, du C4. Oh, ce délire. J'ai du C4. Oh, airdrop. Quelqu'un vient d'appeler un airdrop. Oui, il est là-bas. Il est là-bas. Je m'en fous, on le suit les gars. On le suit, je vais niquer son airdrop. Oui, parce que je peux niquer son airdrop si je veux. T'inquiète, j'arrive. Sauf s'il a un arc. Je vous dis, pour les airdrops, si vous avez un arc ou une sarbacane, ça aussi, ça m'a été dit dans les commentaires, on peut le faire descendre plus rapidement. Mais ça, c'est pareil, je l'avais déjà fait, ça. Ouais, c'est mort, il s'en va trop loin, l'airdrop. Je préfère assurer le coup. Allez, c'est parti. Go là-bas. Oh, c'est délire. J'ai du C4. J'ai une machette. On est plutôt pas mal. Ouah, je suis déjà sur le ring, moi. Ok, on va aller par là. Ouh, il y a un bâtiment là. Il y a un petit bâtiment ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Non, il y a personne, c'est bon. On va aller dans le bâtiment. On va passer par là. Ouh, c'est déjà ouvert. Oh, c'est déjà ouvert. Je délire. Inventory, vas-y, je vais prendre le couteau, je pense. Vas-y, je vais recycler la hache. Et je vais prendre le couteau. Couteau, je pense qu'il est mieux. Oh, il est mieux. Ouais, au final, il est pareil. Il est pas spécialement mieux. Ouh, bah c'est gratuit ça. Y'a quoi là-dedans? Ouh. Merde, la map a commencé à se refermer. Tiens, dégage toi. Donne-moi ça. Je préfère. On se casse. On se casse. La map va commencer à se refermer. Bon, bien gentiment, ça va. Je suis à côté du ring. Au final, je suis bien. Tracker.
Tiens, on va aller à la chasse un peu. On va aller un petit peu à la chasse, bande de salauds. Putain, c'est dommage parce qu'il me manque 15 points pour appeler mon airdrop. Et je sens que je vais encore pas pouvoir l'appeler. C'est dommage ça. Tracker. Ok. Allez, vas-y, go la chasse. Ouh, il y en a sûrement un dans le bâtiment là-bas. Là-bas, là-bas. Je pense. Vu ce que mon tracker me dit. Oh oui. Oui, 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 oui. Voyez. Tout à fait. Le crevard a toujours le nez pour ça. Toujours. Oui, si je vous dis qu'il y en a un là-bas, croyez-moi. Hein, regardez. Je vous raconte votre connerie. Hein. Oui. Tiens, mon vieux. Comment qu'on pose ce putain de cycle pour vous? Tiens, vas-y, viens. Oh! Vas-y, viens là, j'ai posé un C4 là, putain, viens! Allez, viens là! Putain, mais fais pas ta tapette avec ton arc de merde là! Viens! Oui, le crevard est rageux quelquefois. Oh putain! Vas-y, je m'en bats. Ah ouais? Vas-y, 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 viens, 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 les gars, il va se faire avoir, il va se faire avoir, il va se faire avoir. Vas-y, viens, vas-y, là, arrête là, putain, t'es chiant là. Tiens, prends ça dans ta gueule, mon vieux. Alors, je me barre. Je me barre. Oh. Eh, vas-y. Eh, tu fais quoi, toi? Oh, j'ai rien dit, ça va, je me barre, ça va, c'est bon là. Putain. Putain, qu'est-ce qu'il est susceptible aussi, lui, là? Bon, très bien, on va s'arrêter ici pour cette vidéo sur The Killing. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. Je pense que c'était la dernière vidéo jusqu'au 8 mars avant que le jeu sorte. Oh, il va se faire déchirer, lui. Oh, comment qu'il va se faire déchirer? Vas-y, déchire-le! C'est lui qui m'a tué, en plus. Salopard, va. Tiens! Il fait les potes. C'est bien. Bien joué, collègue. Bon, sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et ciao, tout le monde. Bye! Espèce de salopard, va.